Salut tout le monde, c'est MrBboy45, j'espère que vous allez bien et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis en présence de Dark Funeral 9, c'est tout, comment vas-tu Dark? Eh ben je vais très bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien et nous sommes sur un jeu qui sort dans 2 jours, exactement le 23 mars, nous sommes le 21 au moment où nous faisons la vidéo, mais bref, peu importe, nous sommes sur Resident Evil Opération Raccoon City sur PlayStation 3, le jeu est aussi sorti sur Xbox 360 et PC, et là on va faire une petite découverte du mode en ligne, donc... Dark, là on est dans le menu. Pourquoi tu rigoles? Ça c'est encore parce que t'as des chocolats plein la bouche. C'est bon, je suis là. Oh mon dieu. Bon Dark, je t'invite dans l'équipe. Alors là c'est vraiment une vidéo découverte. On n'a pas fait de jeu plus que ça. Que ce soit au mode en ligne ou alors la campagne. Ouais. T'as bien reçu mon invitation? Je l'ai bien reçu Thierry, je suis en train de rejoindre actuellement. Donc dès que Dark aura rejoint, regardez en haut, un onglet vient d'apparaître qui m'indique qu'il est là et c'est vraiment un jeu qui favorise l'esprit d'équipe à 4, très bien, aussi bien dans la campagne qui se fait en coop de A à Z que dans le mode versus où là c'est des matchs à mort, des parties de hasard. Donc là, Dark, t'es toujours avec moi normalement, va dans versus oui. Tout de même. Bah attends, il y a un truc que je comprends pas, je règle le gamma et on me dit que je dois voir le logo de gauche mais je vois rien. Alors, tu vas me dire s'il y a un chargement, je te vois dans l'onglet du haut là. Mais je suis toujours dans l'onglet du haut, oui. Mais peu importe où je vais, il y a l'onglet... Ah bon, déjà je vois mieux l'onglet là. Ah, en train de rejoindre la partie, c'est bon. D'accord, très bien. Donc là vous voyez qu'il y a tout le monde qui rejoint. On n'a jamais essayé le mode multijoueur, je te vois pas Marc. Je suis là. T'es là ? Sélectionner le mode héros, on peut voter une map là. Ouais, exact. Il y a Suzuk, Buddy... Ah, je te vois. Oh putain, il y a déjà des niveaux 32 quand même. Hein. Mais ils sont sérieux ? Ouais, mode héros, apocalypse. Alors là, on connaît rien. Oh lolo, je suis totalement perdu. Alors, on va sélectionner un personnage. Donc, on peut jouer Comment avec Leon pour... Petit, okay. Claire Redfield. Ah, oh, c'est Chris Redfield. C'est vraiment énorme. J'adore. Alors que j'y ai pas joué. Mais je suis totalement fan. Oh putain, il y a déjà quelqu'un qui a pris Leon. Ah, écoute, moi, je joue avec Jill Valentine. On ne peut pas choisir tous le même personnage. Ouais. Donc, Et on n'a aucune capacité. Ça va être génial. On va se faire laminer. Jill Valentine, c'est un peu dégueulasse. J'ai un fusil à pompe. Je la sens pas très bien le fusil à pompe dans le jeu, mais bon, on sait jamais. Dans les jeux en troisième personne, ça a jamais été vraiment la forme. Bon, Dark Fufu. T'as vu, moi, je suis la mèche, mais avec des plus longs cheveux à l'arrière. Beau gosse. Yeah. On sait pas vraiment qui c'est ce personnage, on n'a pas commencé le solo, c'est une vidéo découverte du mode. Il s'appelle Carlos Oliveira. Multijoueur. Multijoueur. Hola, que tal? Hola. Par contre, le compte à rebours qui part de 15, moi, ça m'emmerde un peu, tu vois. Bah, en même temps, c'est pour que ceux qui n'ont pas fini finissent. Ah. Bah oui, pour te préparer. Oh, oh. Parce qu'il faut pas oublier que ceux qui ne sont pas prêts, ils ont le gros compte à rebours et... Oh, là on voit un magnifique gars avec un long couteau. Ouais, je crois que c'est Hunt contre Leon S. Kennedy. Ouais. Ouais. À voir si c'est vraiment... Oui, c'est Hunt, il est là. Hunk, pardon. Il est là. Ouais, si c'est vraiment ce personnage. Donc que oui, ça, le masque il est... Moi je connais pas les touches, toi t'as eu cette chance d'y jouer déjà sur Xbox auparavant. C'était sur gâchette pour tirer, mais c'est sûrement inversé sur Play 3. D'accord. Au pire, j'essaierai de te guider, comme donc, sur Jean. Sinon, c'est du viser L1, tirer R1 normalement. Et droite, enfin gâchette de droite ou R1, ce sera lancer une grenade. D'accord. Et l'autre, ce sera changer d'arme. D'accord, ça c'est si c'est inversé, si c'est à la manière. C'est inversé, voilà. Okay. Gauche, bon, le chargement par contre un peu longué, hein, je sais pas. Ah, peut-être que la map. Ah. Est-ce qu'il y aura des zombies? Alors là, les agents d'Umbrella sont sur le site. Tuez-les en commençant par les chefs. D'accord, donc nous on est les héros, faut tuer les agents d'Umbrella, il faut commencer par... C'est bon, on marchait dans le vide. Ok. Non, pas moi. Bon, après toi, je ne sais pas. Ok, donc là c'est un petit peu Uncharted, pour ceux qui connaissent, le niveau maniabilité, c'est même exactement Uncharted. Viser L1, tirer R1, donc jusque-là c'est parfait, y'a rien à dire. Écoute, franchement... Oh, y'a des zombies. C'est L1 R1. Il y a des zombies. Alors carré rechargé. Oui, c'est L1 R1. Il y a des zombies. Ouais, il y a des zombies. Ouais, derrière toi. Donc ils vont être là pour nous casser les couilles. Ouais, je pense. Ouais. Donc faut trouver où ils sont. Par contre, là, est-ce qu'on peut se la jouer vraiment infiltration ou autre? J'en sais fichtrement rien. Mais jusqu'ici, il y en a qui disaient que le jeu n'était pas si beau. Moi, je le trouve quand même pas mal. Faut pas oublier que c'est un Resident Evil. C'est pas non plus bon. Non, moi je trouve qu'il est un peu sombre. Pourtant j'ai mis le gamma à fond. Pourtant on est sur, on est dans la ville de Raccoon City. Hein. Il fait toujours nuit dans cette ville d'ailleurs. C'est assez bizarre. Ah, j'ai trouvé un spray. C'est quoi le but? C'est tuer le plus de zombies? Non, c'est de tuer l'équipe adverse et en et passant derrière. Alors attends. Je t'ai vu hein. Ah non.
Ah putain, merde. Écoute, j'ai jeté des flashs là, je crois. Oh merde. Merde, non, j'ai utilisé un spray. Oh fuck. Attention. Oh, grenade. Oh putain, ça c'est beau. Fais gaffe, hein. J'envoie là-bas. Franchement, je vais juste monter un tout petit peu la sensibilité et crois-moi que ça sera vraiment parfait. On peut pas sauter ? Je sais pas, attends, deux minutes. Ah ! Voilà. Il vient de se faire la guerre dans... Ah non, mais on peut plonger ! Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Ah, faire-le. Oh putain ! Oh là là, je saigne. Oh, il me fait des combos ! Tuez-le ! Je suis mort ! Grenade! Oh putain, c'est le bordel, là je comprends plus rien, il y a des zombies, il y a des ennemis. Comment on change d'arme? Gâchette de gauche. Quelle gâchette de gauche? De quoi tu parles, Dark, là? Changer d'arme, hein. Oui, gâchette de gauche. Non. Alors, le coup... Putain, mais j'arrive pas à le tuer, putain! Allez! Il m'a déchiré. Hein. Il me viole! Et il m'a violé, mais grave. Mais lui, mais pourquoi lui il m'enchaîne alors que moi je l'ai star shoot là, je comprends pas. Je sais pas, mais c'est peut-être justement des habilités. Bon, attends, je vais demander à réapparaître, voilà, on va se la rejouer réglo. Ah mais non, on gagne de l'XP, on peut pas les tuer. Là j'ai un fusil à pompe. On peut pas tuer qui, les zombies ou les ennemis? Les ennemis. Bah si on peut les tuer, regarde, il y en a qui sont morts, Dark. Ne raconte pas n'importe quoi. Qu'il en hémorragie, putain, mais tout ce que j'ai dû lui mettre comme coup de couteau, c'est un truc de ouf, même des balles. Les coups de couteau, c'est rond, c'est ça? D'accord. Oui. Eh, sans te mentir, j'ai vu des sprays anti-infectés, ça fait peur. C'est vrai? Ça prévoit qu'on peut se faire infecter par des zombies, ouais. Là, il y a beaucoup de zombies qui viennent vers moi. Mais vraiment beaucoup. Fais vraiment gaffe, alors. Putain, et tout ce que je... Ah, saloperie. Par contre, franchement, ça fait mais vraiment plaisir de retrouver... Ah, j'ai vu des sprays antivirus, effectivement. Ça fait plaisir de retrouver les anciens zombies, tu sais, les tout lents, là. Ouais, ouais, bah oui. Plutôt que ceux qui couraient dessus et tout, ouais, ouais, c'est vrai. Attends, je suis en train... Oh là là, je l'en mange. Allez, salope. Par contre, la visée assistée sur... Oh, je l'en mange grave. Oh, je l'en mange... Attends, il faut combien pour tuer, en fait? J'ai pas trop compris. De quoi? Ah, mais là, je lui mets des coups de couteau, mon gars. Oh, j'en ai tué. Qu'il en hémorragie, c'est moi ça, non? Oui, si ça t'a écrit, c'est que toi. Oh, c'est quoi son truc? D'accord, oh, je sais pas ce qu'il a acheté, mon gars. Je vous ai infecté! Mais bye! Moi, attends. Non, tiens, je t'ai désinfecté, je crois. Non! Attends, ah, j'ai un spray, attends. Tu vas mourir ou quoi? Bon, bah, si j'étais infecté, bah, je me serais transformé en zombie et je me serais retourné contre vous. Il aurait fallu que tu me tues. De toute façon, je te dirais quand je t'as vu, il y a une visée assistée sur les zombies. Ouais, bah oh là là, t'as vu, il s'est transformé en zombie rouge. Ouais, je sais pas encore pourquoi. Mais on m'a expliqué, c'est comme dans un Resident Evil qui a été remake sur GameCube ou je sais pas quoi, Rebirth. Ouais. Et les zombies, en fait, quand tu les tuais, que tu les brûlais pas, ils se réveillaient et ils étaient encore plus fâchés. Ils étaient plus forts, voilà. Et apparemment, il y a ça dans celui-là. C'est ce qu'on m'a expliqué. Alors, tu sais quoi, je vais juste changer un petit peu la luminosité pour que ça soit plus agréable dans la vidéo. Oh, il y en a un, il s'est fait affecter. Vidéo, voilà. Voilà, je pense que ça sera... Par contre, ces histoires de corps à corps qui s'enchaînent à l'infini, c'est assez chiant, tu vois. Ouais, mais je pense que ça va être franchement, sincèrement, pas de chien. Par contre, on est plus que deux, là, hein, contre un. Faut aller le tuer, là, go. J'en avais un devant moi. Il en restait un tué. J'ai pas encore tout compris. T'as compris encore comment ça se produit? Parce que là, c'est bizarre. Comment ça? Bah... mourir. Au secours. J'arrive. Touchez-le pas. On peut tirer à l'aveugle. Oh putain, Dark. Je me suis soigné. Oh là 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 là. Les zombies courent plus vite que ce que je pensais. Ils sont pas si lents que ça. Je vais mourir, là. Oh putain. Elle jette des grenades, là, Fias. Hein. Attention, désolé, je balance dans le tas. Oh là là, ouais, non, c'est un hunter. J'ai plus de munitions. Oh là là là, okay. Oh, c'est chaud là, hein. Je suis dans une situation assez compliquée. Pourquoi je saigne? Moi, je dis rien là parce que je suis concentré, mais à mort, je sais pas exactement ce qui se passe.
Je vois des choses partout, c'est horrible. J'ai pas tout. Oh là là. Oh non, ah, on peut tuer plus 75. Oh non, on m'a tué. Ah non. Ah mon dieu, j'ai compris. J'ai compris le but du jeu. Quoi? Il faut protéger les survivants en fait. Il faut, faut protéger nos survivants tout en tuant leurs survivants à eux, si tu vois ce que je veux dire. Ils sont leurs survivants à eux. Ah, c'est le point. Ah ouais, je crois, ouais. Ils ont nos survivants à nous. Ah, mais il reste que Léon là. Bah ouais. D'accord. Ah, mais non, mais Léon, c'est un de nous. Non, 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 j'ai. Oui. En fait, on incarne tous un héros dès le début et faut pas mourir. Tu sais, on est mort une fois, tu te souviens? Ouais. Et t'as pas remarqué, t'as changé de personnage quand t'es mort? Ah oui. Bah voilà. Bah voilà, on a gagné. Et on a gagné? Bah oui, victoire, Spécon. Non, nous avons perdu nos meilleurs éléments, Umbrella a gagné. Où ça t'as ouais. vu ça? C'est nous qui avons perdu, ça a été dit en bas. Ouh là 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 là, bon, c'est total confus, alors là... Pas, le temps qu'on comprenne le jeu. Donc si j'ai bien compris, on incarne au début des héros, ils incarnent des héros. Il faut que chacun, c'est de la recherche et destruction. Quand t'es mort, mais tu peux réapparaître avec un autre gars. Il faut protéger le seul. Mais, qui... Voilà, mais il faut se protéger soi-même et ses potes. D'accord, bon, écoutez, c'est très spécial. Je pense que c'est le temps qu'on comprenne bien. Mais vous inquiétez pas, de façon, des gameplays, vous allez retrouver non seulement dans le let's play, mais en plus dans le jeu en général. On vous fera des vidéos dessus, c'est pas un souci, où on se sera amélioré. En attendant, je pense qu'on va les laisser là, Dark, parce que ça fait ouais, déjà... Ouais, on va vous laisser sur votre fin. N'oubliez pas, le walkthrough voilà. is here. Let's play fin de semaine en Veryard. Voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, kiff.